Donc on va, qui veut mettre son petit coup de ciseau, c'est un moment important, et après on va la dérouler et on va fixer un système d'accrochage et puis on va descendre dans l'amphithéâtre en bas où il y a un élévateur sur lequel on va la fixer et on va la découvrir ensemble. Donc peut-être si vous voulez donner le premier coup de ciseau. Ok, c'est parti. Comme ça, ça va? Ouais. Bien. Merci. Mais ça, c'est pas une, on va, une expertise. On va. Ça vous plaît? Oui. Le fait que cette ancienne institution française d'artisanat a choisi de faire ce travail basé sur l'œuvre de Tolkien, et c'est quelque chose qui me touche énormément. Parce que j'habite en France depuis plus de 40 ans, et pour moi, c'est une espèce d'union qui me touche. Mais bon, il y a plus d'air de l'autre côté. Traverser dans le musée, c'était joli. Tiens, t'as le panier, elle est où, Aïko? Elle est où, Aïko? Donc, allons-y. Number one. C'est accueillir et vivre pleinement le temps, le regarder se matérialiser, lui donner jour dans la durée de l'action, du geste silencieux. Parce que tisser, c'est aussi apprendre à écouter, à faire l'économie du superflu. Tisser, c'est aussi partager, échanger, c'est un travail d'équipe. La tapisserie est magnifique, 1750 heures de travail, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et on a bien sûr une pensée pour le créateur Tolkien et la réalisation et tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette tapisserie. Vraiment, vraiment, c'est du grand art, c'est du très beau travail. On est là pour bousculer les choses et pour démontrer que l'art et le savoir-faire de la tapisserie est en fait un support extraordinaire, un support très expressif et en tout cas formidablement humain. De l'œuvre artistique. J'ai eu l'honneur de connaître mon beau-père pendant les dernières 19 ans de sa vie. J'étais aussi sa secrétaire pendant quelques années. Et je suis absolument convaincue qu'il aura été absolument ravi par la tapisserie et par le fait que les mains même ont travaillé maille après maille pour reproduire son œuvre. C'est une adaptation qui met en valeur l'œuvre de mon beau-père, qui le traduit dans une dimension inattendue,
et qui montre la qualité de son dessin et puis les couleurs et la luminosité. Le fait que c'est un tableau que moi j'ai toujours pensé que je l'aime parce qu'on entre dedans, on est amené avec Bilbo vers le lac et en plus grand comme ça, on a l'impression qu'on pourrait vraiment aller dedans. C'est magnifique. En avant-première, il vient d'arriver. L'échantillon pour la troisième. Guéri. Donc c'est René qui a préparé. Donc c'est la même technique que la pièce en bas. Celui du dragon sur son trésor, ça serait puissant. Ça serait très bien. Ça, oui. Mais tous, ils ont tous leur charme. Voilà, on a fait un avant-fondi dehors, c'est celle de Simon. Oui, c'est moi qui fais. On en parlera des films.